Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'intitule 10 choses qui me rendent heureuse. Voilà, ça peut être aussi 10 choses pour aller mieux, etc. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter moi les 10 choses qui me rendent heureuse en général ou pour me remonter le moral ou me redonner un coup de boost. Voilà, parce que vu qu'en ce moment ça va pas très bien, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo comme ça. Moi, ça me fait faire des choses qui me rendent heureuse, donc je serai heureuse et ça me fait faire une vidéo. Donc c'est pas mal. Premièrement, c'est pas forcément la première chose, je les ai pas triées dans l'ordre de 1 à 10 parce qu'il n'y a pas de choses que je préfère à d'autres. Mais c'est ranger tout simplement mon espace. Donc là, c'est potentiellement ma chambre parce que je vis que dans ma chambre. Donc voilà. Donc ranger, parce que ranger, ça fait trop du bien dans ta tête. Genre, quand ta tête, elle est un peu désorganisée et tout, et ranger ton espace, l'espace où tu vis, ça permet vraiment de ranger ta tête aussi. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais c'est vrai que moi, c'est beaucoup comme ça. Genre, si ma chambre, elle est en bordel et tout, je vais être en bordel à l'intérieur. Alors que si c'est bien clean, bien propre et tout, ça sera mieux. Bon, du coup, le ménage est déjà fait parce que j'ai une femme de ménage qui vient chez moi. Donc là, la chambre est clean de ouf. Mais je me suis dit que je pouvais quand même un peu la ranger. Sauf que moi, quand je commence à ranger, genre, je modifie tout. Genre, je serai carrément prête à déplacer mes meubles de place. Donc, je sens que cette histoire va me prendre beaucoup de temps. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est pas que j'ai le temps, mais c'est que j'ai envie de faire ça. Donc, tant pis, je vais passer 2 heures à ranger ma chambre. Et voilà. Puis on verra si je me sens mieux. Donc pour commencer à ranger, et vous regardez d'abord la zone de votre chambre qui a le plus besoin de rangement. Et moi, c'est mon placard. Comme d'habitude, mon placard, à chaque fois, c'est le bordel. Et je le range une fois par mois parce que ça m'énerve. Parce que là, je vais le ranger, mais demain, il sera dans le même état. Mais bon. Autre chose que j'aime beaucoup faire quand ça va pas trop ou quoi, ou même qui me rend heureuse, c'est écrire dans mon journal intime. Voilà, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, ils savent que j'écris vraiment toutes les semaines dans mon journal intime. Mais en fait, c'est un peu comme le rangement, ça permet de mettre tout ce que je pense, toutes mes pensées, etc. à plat écrit, et puis du coup avoir une vision d'ensemble. Et j'aime beaucoup faire ça en fin de semaine parce que par exemple s'il y a une semaine compliquée ou un jour compliqué, et ça permet de prendre déjà le recul sur ce jour compliqué là et dire ce qui allait pas, et vu que j'écris le plus souvent quelques jours après, dire pourquoi ou comment je l'ai ressenti, etc. maintenant que ça va potentiellement mieux et tout ça. Et puis même ça permet de garder des souvenirs, etc. sur ce qui se passe. Ça permet vraiment de poser tout à plat et il y a genre que mon journal et moi qui existent, et ça que j'aime beaucoup aussi. Alors écoutez, autre chose que j'aime bien faire quand ça va pas trop, c'est aller au spa. Après, c'est un peu un truc de richou, mais sachez qu'aujourd'hui on est dimanche et j'ai passé l'après-midi juste 2 heures au spa. Ça a coûté 25 euros et vraiment c'est pour notre pur bonheur, genre sauna, hammam et genre tout ce qui est bain chaud et tout, genre les trucs qui font les massages et tout. Voilà, écoutez, de temps en temps ça fait du bien, franchement je suis épurée là. Je me sens vidée.
Donc c'est une très bonne chose. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Mais bon, si ça va vraiment pas, 2 heures au spa, 25 euros, je vous conseille. Que j'adore faire pour monter, me remonter le moral, prendre un bain. Sauf que ce soir j'ai la flemme parce que j'ai la flemme. Voilà, prendre un bain ça prend quand même relativement du temps et j'ai un peu la flemme. Donc je vais pas prendre de bain ce soir, mais voilà, sachez que normalement je prends un bain. Alors le mieux c'est avec des petites bombes de bain, pain moussant, nouveau gel douche, gommage, vous faites un masque et tout, vous faites la totale. Ça franchement c'est bien, mais du coup. Pour faire la totale là, j'ai pas le temps ce soir. Donc je préfère prendre un bain une autre fois en faisant la totale avec. J'ai des perles de bain, j'ai un pain moussant, j'ai un une bombe de bain, un nouveau gel douche exfoliant et tout. Donc je ferai ça une autre fois quand j'aurai du temps. Ce soir je vais tester ce gel douche exfoliant que j'ai eu à mon anniversaire. Donc c'est un truc Lush que j'ai pas encore testé. Donc je me suis dit que c'est l'occasion. Voilà, c'est de la gelée un peu violette. Donc je me suis dit que je vais tester ça. Sachant que la dernière fois j'ai très mal réagi au produit Lush. Donc on verra. Et du coup, pour finir, une chose que j'adore faire quand ça va pas, c'est filmer une vidéo. Voilà, faire des plans random, en tout cas filmer, faire des vlogs, tout ça. Bah évidemment, ça me fait plaisir, sortir des vidéos, etc. Voilà, même si on est encore une petite communauté parce qu'on est 200, mais pour moi c'est déjà beaucoup parce que je fais que sur YouTube, c'est-à-dire que je ne fais pas de pub sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram. Et TikTok par exemple, je sais que si j'avais TikTok, je pense que je pourrais me faire de la pub. Mais étant donné que je ne fais pas ça, et ben on est déjà 200 et juste grâce à YouTube. Donc ben, je suis quand même très contente. Donc voilà, plein de cœur sur vous. Bienvenue aux nouveaux à chaque fois qu'ils viennent, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ici, on fait plein de choses. On n'est pas sur un seul contenu. Voilà, donc ça me rend très très heureuse de faire des vidéos. Du coup, conclusion, est-ce que faire toutes ces choses, ça m'a remonté le moral? Bien sûr, évidemment, je pense que la chose numéro one qui me
Number one qui me remonte le moral, c'est vraiment genre la nature et voir mes chats, leur faire des bisous et tout, et être avec des gens que j'aime. Et faire des vidéos aussi, mine de rien, c'est une des choses principales qui me remonte le moral. Donc écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Voilà, on a tous des hauts et des bas dans la vie, c'est normal. Voilà, mais si comme moi, vous pensez que c'est bien de cerner les choses qui vous rendent heureux pour vous faire une journée, genre quand ça va pas, une journée où vous faites plein de trucs qui vous remontent le moral. Donc voilà, comme vous avez vu, ça peut être des trucs qui prennent plus ou moins de temps. Voilà, et vous faites une journée comme ça où vous faites tous ces trucs qui vous font grave kiffer, et je suis sûre qu'après ça ira déjà un peu mieux, même si voilà, on ne peut pas aller mieux comme ça en claquant des doigts, mais je pense que déjà faire ça peut nous faire du bien pendant un certain temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous allez tous très bien, et moi je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!